Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Et aujourd'hui, je vous présente une recette de nuggets au poulet, très facile à faire et idéale pour les enfants et les adultes. Pour les ingrédients, on a besoin d'huile vierge, 2 blancs de poulet, 2 tranches de pain de mie, une cuillère à café de moutarde, des épices, poivre noir, gingembre et sel, une demi-cuillère à café d'ail séché, une petite gousse d'ail haché, une bonne cuillère à café de fécule de maïs ou de maïzena. Et pour la pâte à crêpes, on a besoin d'un œuf, de 100 ml de lait, donc des épices, du sel, du poivre noir et un tout petit peu de curcuma et 60 g de farine ainsi que de la chapelure. On commence par retirer tout le gras qui se trouve sur les blancs de poulet, donc on le nettoie bien. Et ensuite, on va le découper en tout petits morceaux. Une fois découpé, on va récupérer un mixeur, on va tout mettre dedans et on va hacher le poulet, tout simplement. Une fois haché, on le réserve dans un récipient. Et ensuite, on va faire exactement la même chose avec le pain de mie. Donc on récupère le pain de mie, on va le découper en petits morceaux et on fait pareil, on va le hacher très finement. On verse le pain de mie sur le poulet et ensuite on va tout simplement intégrer tous les autres ingrédients, à savoir la moutarde, les épices, l'ail séché et frais et enfin la fécule de maïs. On mélange le tout à l'aide d'une cuillère et ensuite on n'hésite pas bien sûr à mettre la main. C'est quand même plus simple pour travailler une pâte ou former une boule. On ajoute un tout petit peu d'huile vierge, ça permet d'avoir donc une pâte de poulet assez malléable et puis lisse. Et voilà, donc la préparation de base donc de poulet est prête. On va passer à la préparation d'une pâte à crêpes salée. On verse le lait dans un récipient. On ajoute ensuite un œuf. Et des épices. Donc là, j'ai choisi très peu d'épices. On peut en mettre un petit peu plus. Ça donne un meilleur goût à la panure. Et on va fouetter un petit peu avant d'intégrer la farine et de bien fouetter. Donc on peut mettre 50 à 60 g de farine pour avoir une pâte à crêpes qui soit un petit peu plus épaisse que la pâte à crêpes sucrée habituelle. On passe maintenant au façonnage des nuggets. Alors pour éviter que la pâte ne colle sur le plan de travail, je choisis de l'étaler sur un papier cuisson. Donc je pose un papier cuisson, ma pâte, un autre papier cuisson au-dessus et ensuite à l'aide d'un rouleau, je vais étaler donc le poulet. Ensuite, donc pour le façonnage, deux façons de faire. Donc soit on prend un emporte-pièce, donc là j'ai choisi en l'occurrence un petit chat et je vais former donc deux petits chatons. Par contre, il faut bien appuyer en fait sur l'emporte-pièce parce que le poulet il a tendance à avoir des filaments sur le côté. Donc vous retirez les petits chatons ou les petits formats que vous avez choisis, vous les arrangez sur les côtés. Ou alors si vous voulez faire plus simple, vous faites des boules tout simplement et vous les aplatissez. On termine par la panure. Donc c'est très simple, on va prendre quelques nuggets, on va les plonger donc dans la pâte à crêpes. Et ensuite, on vient les déposer sur la chapelure et on va tout simplement bien les couvrir avec de la chapelure. Il faut bien les paner. Voilà, donc tous mes petits chatons et mes petits nuggets sont prêts. Donc on passe enfin à la cuisson. On prépare un bain d'huile chaude et on va les plonger quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. Une fois la cuisson terminée, on va les déposer sur du papier cuisson pour absorber l'huile et on passe maintenant au dressage de l'assiette. Et voilà le résultat final des bons nuggets maison.
en tout cas toujours meilleurs que ceux achetés en commerce. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner, commenter et liker. Moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.